Et est-ce que c'est la bonne scène? Je pense. Magnifique. Parfait. Donc ouais, on a le temps de jouer à Pocket Rogue, et puis après on jouera à V-Rising pendant... Pendant 8 heures. Nice. Tout ce qu'on aime finalement. Tout ce qu'on aime. Alors allons-y, qu'est-ce qu'on veut faire? Archéodong, Magnéton, on peut rester comme ça, peut-être. À condition seulement que Magnéton se fasse one-tap. Je suis pas sûr qu'on one-tap Magnéton. Parce qu'il a peut-être fermeté. Des fois ils ont fermeté les Magnétons, pas tout le temps. On va voir. Ok, il n'a pas fermeté, parfait. Bon, c'est quoi ma compo? J'ai oublié un peu où j'en suis, j'avoue. On a Minotaur et Plumeline, ça je m'en souviens bien. Plumeline Shiny, on rigole pas. Zénith, super bonbon, super bonbon. Alors, Simiabras en Pibidou. Ah oui, putain, j'ai deux Léviator. Ah ouais, j'avais oublié ça. Ouais. On a deux Léviator. Bon. Ouais. Bon, on a un Minotaur Adamant. Ça, ça peut bien bombarder. J'aime beaucoup. C'est la fête des mères aujourd'hui. Oui, pareil, oui, absolument. M'a-t-on dit? Bon, je vais monter. Minotaur, c'est sa zone, je pense. Meios. Est-ce que sur Meios, j'envoie pas Léviator à base de Machouille? Il a Machouille, bien sûr. Juste pour qu'il rattrape un peu sur Tard XP. Ça me paraît pas si mal. Hydrocanon, non merci. Vent violent, non merci. Léviator, il a pas un stab vol fort. Oh, Rosé âme encore. Bon, Minotaur peut mettre des briques, hein, ça c'est cool. Y'a quoi comme stab vol mêlée que... Enfin, mêlée physique accessible sur... sur Léviator, il n'y en a pas, non? Rebond? Ah ouais, c'est pas ouf, rebond. Je suis pas convaincu par rebond. Attends, je tue pas avec Machouille. C'est quoi ce non-dégât? Inquiétant. Ok, il prend son XP, tout ce qui compte. De toute façon, faut qu'il rattrape vu qu'il était mort pendant très longtemps. Qu'est-ce qu'on a? Maxi Pépite. Maxi Pépite. On prend Motisma. On va switcher juste parce que j'ai un peu peur de me faire Motismed. Motisma, il a lévitation? Ah putain, peut-être. Au pire... Ah. Au pire, j'ai l'âme de roc. Non, j'ai éboulement. Il a quoi comme talent, Motisma? Dans les options, on peut accélérer des trucs. Ouais, je sais, mais j'aimerais que les gens comprennent ce qui se passe. Je pense qu'il a lévitation, Motisma. Je vois pas ce qu'il a comme talent, sinon. Onde folie qui rate jamais. La spéciale. Ah, je vais me le prendre. De toute façon, il peut pas me tuer. Ouah, le 1 attaque speed, il fait mal. Hein. Ouf. Non, merci. De toute façon, je capture que des Pokémon malades. Hein. Je sais pas comment je fais. Tout ce que je capture à chaque fois, c'est vraiment des Pokémon en fin de vie. Il me réclame de les laisser tranquille, quoi. C'est vraiment un drame. Bon, le bonbon pour Plumeline, pourquoi pas. Ok, Rosymbios. Ah, je vais remettre un... Alors, c'est pas le... Non, tout à l'heure, c'était Meios. Là, c'est Symbios. C'est l'évolution. Bon, c'est pareil. Est-ce qu'on one-tap? On one-tap pas. On one-tap pas et on prend un peu cher, mais ça va. Il faut avancer dans l'XP, c'est ça qui compte. Vent violent. Ah, c'est le problème d'avoir deux fois le même Pokémon, c'est qu'ils apprennent tous la même attaque en même temps, forcément. Ampibidou, il apprend Kuba. Non mais il a pas d'attaque de base. Donc pas de coup bas. Ah, séisme. Oui, monsieur. Comment séisme, ça peut être sans sang et AOE? Après, ça tape ton pote aussi, c'est vrai, mais quand même. C'est quand même de la folie, quoi. T'as vu, il dos. PP max. Ah bah, PP max pour séisme, non? Valeur sûre. Valeur on ne peut plus sûr. Bon, en parlant de séisme, est-ce que c'est pas le temps d'en envoyer un petit là?
Oh que si. Parfait. Ok, on avance bien. Bon, les élévateurs sont un petit peu under level, mais c'est pas très grave. Coupon œuf, on va prendre. Hein. On va juste soigner celui-là. Coupon œuf. Ah, on va lui en mettre un séisme à lui. Est-ce que d'ailleurs mes œufs ils sont en train de tourner ou pas? Oh, pas du tout. C'est quoi ça? Silver Roi. D'accord. Nul. 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 Bon. Enfin, après, nul, c'est pas forcément nul. En fait, je sais pas si tous les œufs peuvent avoir tous les Pokémon. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si, genre, les œufs de base peuvent pop des légendaires, par exemple. Peut-être avec un très bas de pourcentage, tu vois. J'avoue que je sais pas, ça. PV+. Minotope. Tant qu'à faire. Non. Ah oui, d'accord, c'est vraiment... C'est pas genre des... Ok, c'est des poules, quoi. C'est pas des probas, en fait. C'est pas plus l'up est rare, plus il y a de chance d'avoir un truc rare, c'est vraiment des poules. C'est genre dans les certaines classes 2, t'as que certains Pokémon, c'est ça? Ouais. Pourquoi avoir deux Léviator? Non mais c'est une bonne question. Hein. Ça c'est bien. On a deux Léviator parce qu'on a eu deux Magikarp. Voilà. Non mais y a pas d'autre raison, hein, c'est vraiment ça. Ouf. Merci Arfusion pour ton resub. Non mais en fait de base je voulais pas forcément de Magikarp juste, enfin ou de Léviator, juste qu'en fait, bah... J'ai rien qui... Attends, j'ai pas charge encore que je peux enlever au pire. Ah non. En fait j'ai rien de mieux, donc je les garde pour l'instant. Plus ça la logique en fait. Bon je prends la map sans grande conviction. Électrode. Bon Électrode c'est un peu free non? Je pense que je le one-shot même de toute façon, c'est sûr. Attends, je suis immunisé à Météore? Pourquoi? Attends. J'ai trouvé un truc bizarre là. C'est tout ce qui s'est proposé de correct. Ouais, c'est ça l'idée, ouais. En gros. Alors... Cette compo est magnifique. C'était Electacle. Non, ça trigger mon talent, non? Ah non, bah c'était, t'as peut-être raison alors. C'était peut-être une attaque éclair et j'ai cru que c'était Météore, je sais pas pourquoi. Mon talent c'est Force Sable donc ça n'a aucun rapport. Non, bah je suis ivre mort, désolé, je sais pas ce qui m'arrive. My bad. Tout simplement my bad. Il est bien ce duo Plumeline Minosope. J'aime vraiment bien. Bon, on espère avoir des combats doubles quand même pour grind de l'XP un peu parce qu'on n'est pas du tout en avance en vrai. Bon, Minotope qui se présente très clairement comme un carry. Hein. On peut le dire, il se présente très très clairement comme un carry. Ce qui me plaît bien, attention. Ne pensez pas que j'en suis malheureux. Au contraire, même. Et les canons, c'est quoi déjà? Oula. Jamais de la vie. Et les canons, never in my whole entire life. C'est quoi ça? Maynard. Salut Maynard. Oh. Non ça. Je lui mets 0 avec ça, non? Ouais. Méta laser, je connais même pas. Mais il s'est éclaté la gueule pour me taper. Méta laser? Non, c'était bien Météore, j'ai check. Donc il y a un truc bizarre, ouais. Méta laser Pokémon. Ça continue, hein. Mon historique Doomed, là. Alors, c'était quoi? C'est 140-95. Et tu perds 50% de THP. Pourquoi? Ok, c'est un burst acier spécial, 140 de BP, mais tu perds 50% HP, ok.
D'accord, c'est très très bizarre. Capture-le, c'est ce que je dirais si je ne suivais pas le jeu. Oh non. T'es dur. Abîme. Je prendrai pas Abîme, merci. Miss Dib Dib. Qu'est-ce qu'on envoie sur Miss Dib Dib? Attends, il est quoi Miss Dib Dib? Il est acier et effet. Comment tu tues Miss Dib Dib? Il me refait Metal Laser encore. J'ai que ça, non? Je crois. Is that Luigi Dio? Bien sûr, lui-même, le seul et unique. Comment vas-tu, Fusio? Oh là, genre de bonbon. Pas mal, genre de bonbon. Je me présente à vous comme un fan de bonbons absolu. Genre de bonbon enjoyer. Le béto chef, il est coquin. Juste arrête d'aller balayer les boss. Ah bah ouais, hein. Hier, le serveur, on a arrêté à 2h du mat. À 2h01, c'est pas une blague. Chichiou a envoyé un message, il a dit « Putain, trop envie de jouer. » C'est même pas une vanne. Attends, je vais vous montrer. Ce que c'est. En vrai, le message est marrant. Il est ouf. Ah, c'est ça. Regardez, attendez. Je vais vous le mettre là. Il est où? Ah. 2h01. Vraiment. Merci à Zem qui a offert un cadeau à Fusio. Jeu de fou, il me manque déjà. 2h01. Ah, ça met trop bien. Avec son smiley interdit de MSN. Chiche 21h minuit housing. C'est vrai, hein? C'est vrai. Qu'est-ce qui me rendait fou avec son housing de merde, là? J'avais jamais vu deux personnes mettre autant d'énergie à faire un truc pas efficace. C'est vraiment... En vrai, les deux dernières personnes que j'ai vu faire un truc aussi peu efficace qui a pris autant de temps, c'était la Team Rocket. 15 ans, pas un Pikachu. C'est vraiment le même délire, genre, je vous assure que ça m'inspire que ça. Ils ont passé des heures à faire un château. Il est moins bien que celui qu'on avait au début. Mais bon, je leur dis pas, parce que... Enfin si, je leur ai dit, mais je respecte. Après, c'est vrai qu'on a de la surface, par contre. Mais en fait, ils se sont pas rendu compte que notre terrain, en fait, on a pris littéralement peut-être le plus grand terrain... Oh, charpentier. On a pris peut-être le plus grand terrain de la map, ou un des plus grands, en tout cas. Et on n'utilise même pas la moitié. Genre, pourquoi faire en fait? On n'utilise même pas la moitié. Moi j'ai une petite parcelle de jardin dehors, vite fait, et tout le reste du terrain on s'en sert pas. Mais en même temps, je crois qu'on peut pas parce qu'on n'a pas assez upgradé le château encore. Donc pour leur défense, il y a de la place à exploiter. Les trois quarts de château c'est des couloirs. Putain, c'est tellement vrai. Bon, charpentier, marteau de glace, très bien. On va avoir une grosse session, la préparez-vous. Ok, Nucleos, tout pourri. Puchemur encore. Oh, marrant le zéro vitesse, on est content. Qu'est-ce qu'on a après? Après ça me va d'avoir pas de chance sur les Pokémon à chier, genre lui, tu vois. Alors ça me va, ça. Si je peux avoir des trucs bien derrière, ça m'arrange. Non. Ça va. J'ai eu peur de... le Kenotor full 31 partout. Vitesse extrême, no joke, c'est fort. Baby Mantle. Ça fait tous les flooring par catégorie. Ceux qu'on a, ouais. On n'a pas encore tout, je crois. Poissirène. Non mais Poissirène, Poissirène. Poissirène. Pokémon de Taspé, là. Excusez-moi, mais bon. J'ai des mauvais souvenirs. Ramolos. L'épidonie. Envie de sauter. Tu vois, genre là, ça me fait chier d'avoir des IV cool comme ça sur l'épidonie, quoi. Mais bon. Oh, Emolga! Avis impopulaire, Emolga, un peu stylé. Voilà. C'est tout? Oh, j'ai eu vraiment que de la merde. Je suis choc-bar. Mais bon. On va s'y faire.
trop bien Emolga, je suis d'accord. Hein. Je trouve qu'il a son petit flow. Cascade et séisme. Très bien. Minotaur, outspeed Léviator. Bon, il a quelques niveaux d'avance, c'est vrai, mais quand même. Non, ça m'inquiète un peu. Je suis pas ravi de ce que je vois là. Plénitude sur Simiabraz. Oui, bah oui. Oui, bah oui, on a qu'à faire ça, oui. Bonne idée, ça. Ouh! Magnézone. Qui a sûrement lévitation, lui, non? Lui, c'est un douilleur, lui, c'est sûr. Ah, j'ai bout de feu! Ah bon? Ah, il a fermeté. Bon, bah, c'était une chance sur deux, hein. Après, ça va, il tape. Mais pourquoi je refais bout de feu? Ça va. J'aurais dû capturer, Maïvan. Juste que ma manette, elle appuie deux fois sur A. C'est pas grave. Ce n'est pas très, très embêtant. On pourrait prendre ça, bof. Bof, quoi qu'en vrai, ça peut clutch. La baie des clutchers. On va switch out sur un Léviator n'importe lequel. Trop stylé Simiabraz. Ouais. C'est quoi, je vais le setup? On sait jamais. Ok, bon. Les magnézones n'ont pas l'air de voler. En vrai, il avait ni fermeté, ni vie. Ah, mais putain, non! Il a pas lévitation, il a vol magnétique. Un truc comme ça, non? Qui fait que des fois il vole, mais je sais pas quand. Non, c'est pas ça? Alors, quand est-ce qu'il vole, du coup? Il a pas lévitation, il a vol magnétique, qui fait que, sous certaines conditions, il vole, mais alors je sais pas lesquelles. C'est une attaque. Hein? Ah non, c'est pas ça, vol magnétique, c'est quoi alors? Ouais, alors ça, je sais, t'inquiète. Jusque là, j'essaie d'homogénéiser ma team un peu. Manier piège! Putain, oui, oui, c'est ça. Il aimante les. En gros, il a comme. Truc de trio picker là. En gros, c'est trio picker mais acier quoi. En gros, c'est trio picker mais en nul. Voilà. Il a encore ça, trio picker d'ailleurs? Je sais pas, sûrement. Alors, abîme tunnelier, combo, griffe, fertilisation, je sais pas ce que c'est. En Pibidou, il a pas un truc éclair fort qui n'est pas les canons? Non, paresse. Non, bon, nick. Tempête sable, ça pourrait avoir un potentiel. Mais bof. J'ai raté l'attaque? Ah oui, d'accord. Parce que lui, il a plus 1 spé attaque, là on est pas content. Là. Il va me tartiner. Non, on fait 0. Hein. Oui, oui, oui. Cool. Si on tape combat fort, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qui se booste? Attaque, ok. Ça fait rien, ça. Ça fait pas tant rien que ça, hein. Ok, bon, vas-y, tu sais quoi? Je préfère qu'il soit mort plutôt que... Voilà. Non mais j'ai déjà un, je l'ai déjà, lui. Dojo? Ah, Dojo, vas-y, on va switcher un peu. Je vais rien capturer dans la centrale non plus, j'ai déjà un électrique qui me va, même s'il est pas ouf. Donc partons sur ça. Shaofuin. On le voit jamais ce Pokémon là, Shaofuin. Tu connais Shaofuin toi? Ouais, moi aussi en vrai. Alors, tranchère c'est une zone. Prévention, c'est quoi? Prévention c'est genre... Hein? C'est quoi attends? Ça ressemblait à abri mais en AOE. Je me disais, ouais, c'est abusé. Mais non, du coup. T'es en quel run? On est en classique. Classico-classique. Les bonbons.
Gare de large, abri en AOE. Ah, mais ça existe? Je ne savais même pas. Ariyama. Ariyama sur ma version Ruby quand j'étais petit, je l'ai joué sérieusement. Genre, bah, compo, mon carry c'était Ariyama dans ma team. Je ne sais pas pourquoi. Je vais prendre le multi-ex pour nick les Rock Ball, c'est le hate. Les Scam Ball. Enfin, c'est pas bait, c'est fort, mais bon. T'as pas envie, quoi. C'est quoi AOE? C'est Area of Effect. En gros, c'est tous les effets de zone. Grand Kourou. Ah, je connaissais même pas. C'est genre colère, mais feu. Je connaissais même pas cette attaque. Je vais pas la prendre, mais... Parce que j'ai appris... récemment à mes dépens que se bloquer sur une attaque qui n'était pas bonne... ça pouvait poser souci, quoi. Ceux qui ont vu la dernière game sont au courant de quoi je parle. Et ouais, se bloquer sur un coup qui ne te va pas... ça peut être dur, quoi. Par exemple, lancer colère. Plus l'adversaire qui switch sur Oratoria, par exemple, hein, ça peut être un peu embêtant, quoi. Ça peut te finir ta run, quoi, disons-le. Ça peut, hein, ça peut. Je dis ça comme ça, hein, c'est par hasard, quoi. Ça aurait pu aussi être d'autres trucs, vous savez, mais je vous dis ça comme ça, c'est un exemple. Peut-être tiré de fait réel. Peut-être pas. Attaque SP, on va prendre. Oh, Krakos. Le héros de God of War. C'est bien God of War. J'ai bien aimé. Enfin, ceux de la PS5. Ceux de l'époque, en vrai, j'ai pas tant de souvenirs de ouf. Je me souviens que j'en avais fait quelques-uns, que j'étais pas... Non, j'en ai fait qu'un seul, mais j'y avais joué un peu, genre pas longtemps. Mais j'ai pas un souvenir... de fou, quoi. Kratos, pas Krakos. Donc on peut plus faire de blagues, quoi. Ça, on peut plus faire de blagues, on se fait directement fact-checker, quoi. C'est même plus, on peut faire de l'humour. Non, maintenant, tu fais une blague sur... C'est devenu Internet, quoi. C'est comme ça, Internet, maintenant. Tu fais des blagues et tout de suite, ça te corrige. Ça te prend de haut. Ça prend de haut les petits artistes. Ah, c'est sympa, ça. Qu'est-ce qu'on a? Super parfum. Dior, j'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? Ciao, vous fouille. Ok, petit sondage dans le chat. Portez-vous du parfum? Personne, non? Qui de moins de 50 ans porte du parfum? Ah, tout le monde qui dit oui. My bad, les gars. Excusez-moi. 1-1-1-1. Pour pécho, oui. Pour pécho, oui. C'est du parfum. Moi, j'accepte de puer. Moi, je pécho avec ma puanteur, moi. Oh, c'est ça qu'il faut faire. Faut être bien phéromoneux là, bien suintant de ton odeur abjecte. Moi, de toute façon, c'est simple. Si je suis pas un peu abrasif pour le nez, c'est qu'il y a un problème. Il faut qu'il y ait un petit côté. Faut que je sente le spice, quoi, tu vois. Peut-être pour ça que je ne pécho pas. Bon, toi, retourne voler au Franprix et il me casse pas les couilles, déjà. Hein, retourne voler du saumon en tranche chez Franprix là et tu me laisses tranquille. Et ouais, ça veut faire le beau avec le streamer. Moi je vais vous expose, moi je vous connais, hein, je vous connais tous. Attention, hein. Je collecte de la data sur vous. Tout vous faire tomber. C'est quoi ça? C'est un champion d'arène, d'accord. Je croyais que ça faisait du roller. Ah, mais elle fait du roller. C'est vrai que l'un n'empêche pas l'autre. Ah, mais si, je la connais, elle a Lucario, bien sûr, je l'ai déjà vu. Une fois ou deux, je vois qui c'est ce dresseur. Ah, j'ai que 2 PP. Merde, c'est peu. En même temps, vous me direz, dans une famille normale... J'ai souvent 2 PP, quoi. Enfin, moi, il m'en reste un, je crois. Ah bah là, j'en ai plus. J'ai plus de PP. Attends, je parle dans le jeu, hein, pas pour le... Attendez. Non, mais j'ai un PP encore dans la vie aussi, hein. Allez. On va y arriver. Psycho, ça fait rien du tout. C'est elle qui a méga Lucario. Ouais, c'est dans XY, je connais. Il va me tuer là, non? Oh, peut-être pas. Oh, bon! Une famille normale. Bah, une famille en théorie, quoi. Il y a souvent quand même de grands-parents, quoi. Enfin, de grands-pères dans une famille, non?
Enfin, je veux dire, pour arriver jusqu'à toi, par exemple, tu vois. Ok, on va mourir. Ah, il gagne de la speed et de l'attaque. This shit ain't good go. On va changer. Il tape en premier, là. Ouais. Il me para ou pas? Il me le para le rappeur pas. Vas-y, on bourseisme. Hein. Oh, close combat. Bien vu. I demand a trial by combat. Ah, mais close combat, ça ne diminue. Non, mais j'apprends le jeu en fait, moi, c'est ça mon problème. Close combat, ça ne diminue pas ton attaque? Je pensais que si. Donc, close combat, c'est fort en fait. Pour peu que tu sois un peu rapide, l'attaque est broken. Attends, lui il a pas une douille où il absorbe l'eau là? Oh, mais il a peau sèche. Bon, je me booste. Putain, il m'a abonné au PSN. Chier. T'es bon, toi bien. Putain, j'ai un pote, je l'ai abonné au PSN parce qu'il m'a prêté une PS5 ou une PS4. Une PS4. Il m'a prêté une PS4 il y a genre 3 ans. Je l'ai abonné au PSN. Tous les mois, je vois un virement qui part. Voilà. J'ai abonné un pote au PSN. À vie, hein. Parce que je pense que vu que je peux pas... En fait, je peux pas résilier vu que c'est pas ma console. Le prêt le plus rentable. Non mais il m'a prêté sa console, je lui ai rendu. Dessus, je lui ai installé 4 jeux. Le PSN. En vrai, il est royal, hein. Ah, il est royal, il est royal. Je l'ai mis bien. Coup fulgurant. Non, coup fulgurant, c'est ça, c'est combat. 90-100 moins 1 def. C'est pas mal. Je peux te prêter mon appart en plus. En vrai, je pense, si tu me prêtes ton appart, ça dépend de la durée du prêt. Ok, œuf. Nul. Nul, nul, nul. Même 31 partout, nul. Nul, nul, nul. Nul, nul, nul. Putain, regardez, ça fait un fort. Ces IV forment un V, comme dans V-Rising. Ah, il n'y avait que deux. Oh, nul, nul, hein. Ah, là, je suis vraiment. Vraiment pas content. Mais je suis pas un hater de Farfuret. Farfuret, c'est à chier. Vous voyez bien que ça n'a aucun rapport. Qu'est-ce qu'il fait? Il me tape le con. Ah, mais il est mort tout seul. Oh là là, Castorno. Ça se tend au futur, hein, vu comme il joue. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Super Bowl. Oups. Oups. Oh, Loga Loco. Mort. Farfuret, pipou. Farfuret, pipou. Mais Farfuret, à chier. C'est le seul problème. Oh, Corvaillus. Corvaillus, pas à chier. Corvaillus, beau gosse. Corvaillus, vrai flow. Mais Corvaillus, one shot. Corvaillus capture. Voilà ce que je voulais dire. Corvaillus capture. Mais j'ai pas de... Oh, c'est pas grave. J'ai pas de rogue, mais on peut le... Oh, on va l'avoir comme ça, c'est ok. Atteint. Mais savez-vous, Rocabo est le Pokémon que Dandan déteste le plus. C'est quoi ce fact? Il nous faut le background, du coup. Ok. Les 14 défenses font que flemme. Dans d'autres contextes, je l'aurais mis dans la team, mais là, il est pas... Ah si, on a déjà ce qu'il faut, en vrai. Même si petit potentiel néanmoins, je peux l'admettre. Je me suis pas soigné, putain, c'est Papina. FF! FF! Je me suis pas soigné et j'ai pas ce qu'il faut pour fight. C'est la merde. C'est la merde. Il va me balancer des saloperies, lui. En vrai, Plumeline. You are the tech. Eh oui.
Oh non. Il va me faire quoi? Pouvoir anti qui one-shot? Sûrement. Oui, bon bah 1 pour 1 j'imagine. Le problème c'est que je ne peux plus tuer Je ne peux plus tuer, voilà. Est-ce que Simiabras peut partir en mode salut à tous? Et faire un truc bien, genre point glace. C'est pas mal, il est mort mais... Mais vu ce qu'il avait en point de vie, franchement... Qu'est-ce que c'est? Oh merde. Enigma Barry. Bon, le Torterra au moins il est Terra Cassa donc il va quand même prendre des dégâts. Ah oui d'accord. Les dégâts en question. Ok, on switch pour esquiver le séisme. Maintenant, Crogivre mais hero swap j'imagine. Ah il swap pas? Oh je lui fais 0. C'est de la folie qu'il me fasse mal comme ça. Hop là! Quoi? Ah, il était. Ah, bon. Bah, je l'ai freeze pendant une nano frame, c'est déjà pas si mal. Bon, je suis mort. Ah, j'ai raté mon attaque? Ah oui, d'accord, donc là, c'est fin de combat. Torterra est type seul. Il l'est jusque-là, il est Terra Crystalline. Oui, bon, bah, fin du combat, parce qu'on a raté l'attaque, quoi. Voilà, on peut le dire. Bon, il a à moins 2 attaques, mais il tape avec l'autre truc, de toute façon. Il me tape avec Vegiga sans su. Bon bah il meurt là. Bon quand même. Ça, il est compliqué ce Torterra. Appuie sur DD. Mais allez vous faire enculer. C'est ce que tu veux que je te dise? Je vais finir par le dire. Vous me laissez plus le choix les gars. Ok. Il me tue? Non. Ok, on est pas mal. Bon, il en reste 2. Ça peut encore se faire, c'est perdu. Ah, c'est nul ça. Oui, je le savais. J'ai jamais douté. Quiconque pense que j'ai douté est un menteur. Bazookan, encore Watt. Let's go! C'était facile. Aucun doute. Bon après si mes bras étaient soignés, c'était free, mais bon. Disons que j'ai oublié un petit détail, quoi. Enfin, j'ai oublié Simia Bras, en fait, simplement. Enfin, non, j'ai oublié que le boss arrivait, plutôt, c'est ça la vérité. C'est quoi comme zone? J'ai oublié. Prairie? Bon, on va essayer de jouer de la value et d'avoir des HP partout. Attends, fragrance ça tank en vrai. On dirait pas mais je vous jure. La team est bien fatiguée. Tu flames là? Attendez les gars, vous êtes en train de flame là? Non mais qu'on se comprenne bien là. Attendez, on est où là? C'est quoi ce climat ambiant qui règne aujourd'hui? C'est dimanche les gars, oh merde! Un peu de cohésion non? Kek W double Léviator. Non mais... Alors ça j'avoue j'ai pas... Non ça j'avoue je peux rien dire. Non ça j'avoue c'est honteux. Je dois avouer. Oh ça va capturer un roux carnageus. Ok let's go. Oh il est bien nul. Oh. Oh il est bien bien gaze. Touripou. Bon, je vais prendre les potions que le jeu me donne parce que je suis un sans le sou. Rendez-vous au 145. Non mais le 145 c'est perdu. Hein. Pour l'instant, je vois pas comment on le passe, je vous le dis honnêtement. Il lui manque une aile au carnage, c'est un pigeon de Paris, vraiment, c'est genre... Il marche sur une patte comme Oot Oot, genre c'est vraiment... C'est un miracle qu'il soit encore là. Il a même plus de bec, c'est vraiment... C'est les meilleurs, ils sont trop forts. Ah, les pigeons, c'est vraiment... C'est des animaux de fou. Ils méritent de l'amour, les pigeons, hein. Un peu, hein.
Qu'est-ce qu'il me donne? Roséam. Oh merci, merci. Tu trouves pas que Roséam on dirait un prénom? Voilà. Je trouve que c'est un beau prénom. Bon, si t'es vraiment, faut être bien bien bobo quoi, mais... Mais je trouve qu'il y a un petit truc dans Roséam. Tu appellerais ta fille Roséam? Ah, moi non, parce que... Non, mais... Oh, pitié, trouve mieux que Double Léviator. Mais en fait, c'est ça votre problème à vous. C'est qu'en fait, vous croyez que dans les jeux, littéralement RNG, Random Number Generation, génération aléatoire de nombres, vous pensez que je choisis des trucs? Je choisis rien. La dernière fois, on a fait une run. J'avais deux Master Ball, d'accord? Herbe. Quoi, Herbes, déjà? C'est nouveau, ça, Herbes. Incroyable. Mais j'avais deux Master Ball, d'accord? Deux Master Ball. J'ai pas trouvé un truc qui valait le coup. Pas un seul. Donc me dites pas, DFG, t'abuses? J'abuse pas. Déjà, j'abuse pas. Pas de chat, c'est tout. T'avais un Corvaillus. Mais t'as vu le Corvaillus, frère? Corvaillus en question, boiteux, plus d'écailles, rien du tout, pas de bec. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Non mais respectez-moi. Parce que vous, entre vous, vous vous respectez pas. Ça j'ai bien compris. Je peux l'entendre. Mais respectez-moi. Moi je vous ai rien demandé. Demande un remake. Arrête, tu me rappelles des souvenirs d'une lame douloureuse. Arrête. Tu me rappelles des choses que j'aime pas. Oh le Caninos. Mais on va pas jouer Arcanin, hein. On va le tuer et espérer qu'il se fasse one shot. Mais je l'ai pas one shot. Bon, je vais le capturer. Allez. Et même s'il est 31 partout, je ne le joue pas. Tu vois ? Il est pas moche. Il va au PC. Voilà. Bon. Il va pas jouer Arcanin, genre. Qu'est-ce que je fasse avec Arcanin, frère ? Vitesse extrême, câlinerie. Oui, bah il va câliner le PC, voilà, c'est comme plein de gens. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quand même pas de ma faute. Il est pourri. Est-ce que le cadavre de la matraque a été retrouvé? Mais vous savez que dans mon lore, la matraque est mort. Hein. Il a rejoint un certain youtubeur que je ne peux pas citer. Mais mais depuis ce jour, si jamais... Je pense qu'en vrai... Putain, la matraque, il est pas sur le serveur V-Rising. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Moi, j'ai envie de partir sur un lore de l'espace où dès qu'il parle, je sursaute. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? J'entends des voix. Oh, ça pouvait partir sur ça, putain. Est-ce qu'il a matraque? C'est un streamer. Un streamer de jeux vidéo. Voilà. Je sais pas comment te le définir mieux. Qu'est-ce que je peux prendre là-dedans? Ouais, calcium. Parce que des PP c'est bien, mais calcium ça peut clutch. C'est qui la matraque, c'est un streamer mort? Non mais non, non, attendez doucement quand même les gars, attention. C'est pas, on en est pas là, ouais. On en est pas là non plus hein. Le streamer que DFG a écarté pour jouer avec Moment, putain mais c'est pas vrai, arrêtez. Mais la matraque c'est un streamer qui a joué la Zilan avec nous, qui a joué la Zilan quoi. Avec qui je me suis retrouvé en équipe à un moment, sauf que la matraque, il était malade, du coup il a déclaré forfait pendant la LAN. Ça la vérité. Et du coup j'ai dû jouer avec quelqu'un d'autre, donc j'ai dû jouer avec Moment au final. Enfin, en fait j'étais matché avec un autre gars, puis j'ai voulu jouer avec Moment en gros. Voilà. Et du coup la matraque, il est pas vraiment mort. Enfin, depuis j'ai pas eu de nouvelles, je vais pas mentir, mais... Allez, je prends le Dina Scam là, c'est bon, le Scam à max là. Je pars sur ça, c'est bon. Je changerai plus de ligne parce que sinon je vais me prendre une double douille Kuba, je vais me faire one shot. Et étonnamment, j'ai pas envie. Wesh, la détail. Tu vois quoi, Reddy? T'as bien mangé, Reddy? Qu'est-ce que je fais? Coup fulgurant, ça one tap, hein, ouais. Ça se tue les deux, je pense. Je sais pas si Cryo Pirouette tue le deuxième, je pense que oui. Cryo Pirouette! Non, j'ai fait Crogivre. En fait, j'en ai un qui a Cryo Pirouette et l'autre il a Crogivre. Mais bon, c'est pareil. C'est sensiblement la même attaque en vrai. À peu de choses près. La Beprine vaut tout l'or du monde. Je vais refaire pareil là.
L'adversaire écrit au pirate est meilleur. Ouais, il est un peu plus fort en théorie. Je vais le cap. J'aime bien Chapignon. Technicien ? Non. Non, juste nul. Corvaillus peut Dynamax. Bah, dans une version normale, sûrement. Dans la mienne, non. C'est bien le problème. Une plumée d'inné. Je suis désormais en surpoids. Quel forceur. Parce que pour le lore, on a mangé un burrito avec Reddy, là, tout à l'heure, là. Et Reddy, il a mangé deux burritos. Mais ça, c'est normal. J'ai pas été choqué de manger deux burritos. Ouais, c'est pour Minotaupe. Était-ce bon ? Ce fut bon. Ce fut de bons burritos. Les deux burritos d'un mec ! Je crois que c'est ma pire imitation. Moi, quand je le fais, on dirait un personnage de South Park, un peu. Les deux boules d'un mec ! Alors qu'en vrai, il a pas cette voix du tout. Je peux le mettre sur YouTube juste pour voir vraiment la différence, à quel point ça n'a aucun rapport. Je pense sincèrement que c'est ma pire imitation. Attends, vous allez voir. Est-ce que t'as déjà... Je pense que ça commence trop bien. T'as léché les deux boules d'un mec. Non, jamais. Il est un peu South Park-esque quand même, lui, hein. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec? Non, jamais. Les deux boules d'un mec? Ça m'est jamais arrivé, non. Non, ça m'est jamais arrivé. Bah, et s'il te demande de le faire, genre, pour lui faire plaisir, ah, alors? C'est mort. C'est mort, ça passe pas. Ah, viens de suite. Ah ouais? C'est sérieux, quoi? Même sous la douche, en fait, il t'a dit, bébé, viens, s'il te plaît. Non, voilà. Pas du tout. Est-ce qu'on t'a déjà demandé de le faire? Non. Pas du tout. Non, mais c'est pour une tartine, non. Non. Ah, mais l'extrait en complet, il est glauque, en fait. Ah mais l'extrait complet il est bizarre. Je connaissais juste le début. Et deux boules d'un mec. Qu'est-ce que je fais? Coup de fulgurant, boum. Je fulgure. Cringe un peu. Bah de toute façon les micro-trottoirs à Châtelet, bon. C'est rarement le haut du panier, hein, j'ose le dire. Hein. Mais Gambex, puis-je te capturer s'il te plaît? Non, mais fais pas Kuba, je tape pas. Mais tu comprends pas de quoi dans... Je viens de t'expliquer. Kuba, je ne tape pas. Mais fais pas Kuba, je ne tape pas. Il est con ou quoi? Je ne tape pas. Je ne te tape pas. Non, on va y arriver. Hein. Tu vas comprendre. Hein. Je tape pas. Mais voilà. Mes frères, bah, regarde ma mère. Est-ce que je dois vraiment continuer de parler avec vous? Il y a un problème. Lui, carrément, il considère que la moitié est interdite, quoi. Tu sais, il dépasse pas. Il fait un coloriage, il déborde pas, quoi. C'est vraiment genre, non, je veux pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces horreurs? Bah non, je vais pas te jouer, non, bah non. Ça me déprime un peu. Oh! Des terras éclats qui servent à rien. Les terrains là pourraient être bien s'ils étaient comme les adversaires, c'est-à-dire infinis. Yet, they are not. Putain, dans une demi-heure, on joue à V-Rising. Je tremble, je commence à être pris de convulsion. Les gars, je convulse. J'espère qu'il y aura Mintos. Mintos, le roi des geeks. 10 défense, pour qui? Il tank lui un peu ou pas? Parce qu'il a l'air tanky. Mais j'ai un biais grossophobe, c'est que... Non mais je le dis, je suis sincère avec vous. Quand un Pokémon est gros, j'ai l'impression qu'il tank. Alors, je parle que des Pokémon, hein, commencez pas à détourner mes discours bizarres. En mode, ouais, moi j'ai un pote, il peut tanker le Nashor et tout. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste, je parle que des Pokémon, d'accord? Vraiment. Que des Pokémon. Attention, non mais... Voilà. Et c'est bien parce que ça se confirme. En Pébidou, en l'occurrence, il est tanky, tu vois. Donc tout va bien. C'était un biais qui s'est avéré cohérent, quoi. Vous voyez? J'ai entendu Reddy, il tank. Là, Reddy, il peut tanker aujourd'hui, là. Là, je pense qu'il s'est... Mais c'est parce qu'il a pris un buff, là. Il a pris un buff d'armure, c'est pour ça.
Il est bien. Attends, qui met une lucarne à Pessy. C'est pas Pessy, c'est Barthez. Non, mais ça, c'est une ref obscure, attention. Faut savoir où on met les pieds, là. C'est très obscur. On va faire ça. Beprine. Beprine sur... Oh, sur Simia Braz, il a pas, je crois. Il a pas. Oh! Wow! J'ai jamais vu deux Pokémon à chier du même côté en même temps. C'est rare. C'est de toute beauté. Comment je vais... Non, qu'est-ce que j'ai fait? Mais quelle erreur. Mais au pire... Oui, bon... Au pire... Non, mais en fait, c'est sûr que j'allais le tuer, j'aurais dû faire l'inverse. Mais en même temps, je me dis capturer Meganium. Bande de bâtards. Non mais Reddy, on rigole. C'est la Darka. Tu le vois bien, c'est la Darka. Est-ce que je tente de capturer? Ouais, peut-être, hein. Pourquoi pas. Oh, alors là, si on peut pas capturer ça... Ah, mais Giga Sens. Attends, il se fait quoi, là? Je sais pas. Boum. Non, mais c'est Meganium. En fait, en vrai... En réel. Que là, Meganium, flemme. Par contre... Comment il s'appelle? Vas-y, je sais plus. Bulbizarre. Bulbizarre grand. Florizarre, voilà. Florizarre, j'aurais joué. Genre Golet. Golet, j'aurais joué, no joke. Mais j'aime trop Golet. Je suis partie des gens qui pensent vraiment, sincèrement, que Golet, c'est fort. Mais il y a que moi, quoi. Alors, attends, on a Fulgudog, le super dog, là. Crypto, super dog. Est-ce que je peux essayer de l'outspeed? Ah, tire debout, c'est même pas une zone. On va rappeler en Pibidou qui n'a manifestement rien pour lui. Crypto, super dog. Aïe. Aïe, mort. Non. Minotaupe est mort? God damn! C'est dans ma team toxique du conseil 4. Putain, c'est vrai ça. Oh, la double intimidation. Boum, moins 2 attaques. Oh, le double élévateur, c'est la strat en fait. Wipe par Bourino 95. Bah, c'est mieux que Arago 8, hein. Enfin, je suis désolé, mais... Ok, on a un peu souffert. Après, c'est des dresseurs, ils donnent de l'oseille. 2700 balles, c'est tout! Payé, non? Oh! Je me plains plus. Là, j'arrête les taux de bonbons. Je prends. Ok, alors, attends, faut réfléchir. Tac, tac, on tue les deux? Normalement, oui, d'après mes calculs savants. Je suis très savant. Je sais beaucoup de choses. En même temps, je suis ministre du Zébristan. Tout est bon. Ok, niveau 100. Chiche. Oh oui. Mais retour, en vrai, c'est fort, non? Mais en même temps, est-ce qu'on veut vraiment le rentrer? Je crois pas, hein. Parce que retour, c'est fort, mais bon. Merci, Roger Leroux. Retour, c'est fort si t'as le stab, quoi. Sinon... Sinon, ça dort un peu, quoi. C'est 102 de base power. Ouais, donc sans le stab, bon... Tu te dis pas non plus que c'est la folie du siècle, quoi. Je comprends. Sucraine. Smash. Comment ça, smash? Oh non. Non, vous allez pas vous y mettre, hein. Est-ce qu'il y a un truc plus marrant qu'inventer des messages dans un Twitch chat? Je pense pas. Non mais putain! Vas-y, frère! Sucraine, quoi! Oh!
Ah, il va me tuer en plus. I can't. No puedo. Bon, je le tue, il me fait chier. Tu n'as pas dans ce Draco. Non. Donne-moi de l'argent. Faut que je me refasse, faut que je me refasse. Dans ce Draco, c'est un tabou. C'est un tabou. Oh, le champion mémoriel! Rien à foutre. Ça se voit que je suis allongé là? Ouais, hein, je vais peut-être me relever un peu quand même. C'est qui lui? Colza. Non, mais ça suffit, ils ont des noms d'huile maintenant, les mobs. Ils savent plus quoi faire. Hein. Il y avait Pierre et Ondine, maintenant c'est huile de Colza l'adversaire, qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce qui switch? Pourquoi tu switch? Oh, pomme de Renette et pomme one shot. Super switch. Grand stratège l'adversaire. Hein. Putain, Colza change rien. Hein. C'est quelqu'un ça. Oh, Arboliva! Personne s'est jamais dit ça. Un peu stylé Arboliva, en vrai. C'est quoi ça? Oh, il a mis le champ herbu. Ah non, feuille magique, je sais pas ce qu'il fait. What are you doing, man? 6 ponces. C'est vrai. C'est que Ponce, il aime bien Arboliva. Mais moi aussi, j'aime bien Arboliva. Je trouve stylé, juste. C'est vraiment de la merde. C'est quoi ça? Champlification. Vas-y, frère, ils ont que des attaques que je connais pas. Y'a combien d'attaques dans Pokémon? 850? Plus 3 attaques? Oh, mais on est. Oh là, attends, on est où là? Wow, 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 attends, il régène full vie. Qu'est-ce qui se passe? Oh, juste là, on est où là? Qu'est-ce que c'est que ça? Faut quand même pas me faire sweep par Arboliva, respecte-moi. Merci. Bon. Tous les Ponce Enjoyers dans le chat. Amitié. Oh, Champignon tout vert. Ah, champignon tout mort aussi. Bon, Colza, pour l'instant, tu me respectes pas. Hein. Avec tes fleurs, hein. Ah, je suis mort. Tu m'as respecté. Ah non, je suis pas mort. Il met pas de dégâts. Ah, attends, parce qu'il met pas de dégâts, mais il a gagné toutes les stats. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce jeu, là? Ah, c'est les baies, je pense. Il devait avoir 800 baies. Il te faudrait un Pokémon feu. Ouais, c'est vrai. Dommage que j'en ai pas. Dommage, dommage. En vrai, si j'avais un Pokémon feu, je pourrais être pas mal. C'est vrai, maintenant que tu le dis. C'est une vraie bonne idée. Ah, j'ai pas de Pokémon feu... Ouais non, j'ai pas de Pokémon feu, tant pis, je vais mettre Léviator. J'ai pas le choix, hein. Archéduc! Ah mais c'est le Archéduc Mytho. Bon, ça marche aussi. Il est getting pumped. Pump it. Il est mort. Merci à Zlem qui a offert un sabbat. Tino! Colza qui joue un Pokémon Olivier. Non, c'est vrai que vu comme ça... Ouais non, c'est vrai qu'il me faudrait un Pokémon feu à l'avenir pour les types plantes, sinon je galère dessus. C'est vrai. Oh! Nice. 20 minutes avant. Vampire Love. On se la met? Ah, on se la met, on se la met. Vampire Love. Dans la nuit sans fin, nos cœurs battent au rythme de nos chagrins. Vampire Love. Notre amour chasse le mal. Je connais une phase sur deux, quoi. Mais j'apprends. Qu'est-ce qu'on a? Super parfum? Super parfum. Ouais, c'est bien ça aussi. On va être sur lui, tiens. T'es qui, toi? Non, mais Karateka Banting. Attendez, je tape prénom Banting avant d'être raciste. Banting prénom. Et enfin, mais il s'est passé quoi? Mais putain, mais merde, dites pas ça, ça fait deux fois qu'on me dit ça. Bon, Sifu hier, il m'a dit pareil. Il m'a DM Discord pendant le stream, il m'a dit. Il m'a dit quoi? J'ai oublié. Il m'a dit, je vais te dire un truc, mais tu vas le prendre trop mal. Des streams comme ça où tu fais plaise, pleine forme, très drôle, très cool. Et je lui ai dit, bah, dis-le que je pue la merde, dis-le. Il m'a dit, voilà, j'en étais sûr. Je dis pas que d'habitude t'es une merde. Je dis qu'aujourd'hui t'es solaire, il m'a dit. Voilà. Et c'est quoi? D'habitude je suis à chier, c'est ça en fait? Dites-le.
Écris. Et, non mais ayez au moins les couilles de l'écrire. Salut DF. D'habitude t'es à vomir. Je fais caca dans ton chat par ses propos, mais aujourd'hui, franchement, gaulerie continue. Dites-le, n'ayez pas peur. Coup de feu. Voilà. Voilà. C'est gagné contre moi au 5 qui t'a fait ça. Oh comment je. Oh là là. Non, comment je t'ai baisé. Oh là 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 là. Oh là 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 là. La clé de voûte, je suis. MVP. Aucun joueur de football. Non, si, si. Non, j'arrête ma phrase parce que je vais dire un mensonge. Un saut frontal, c'est quoi ça? Oui, oui, oui. Ça tabasse, un saut frontal en tout cas. Je suis un viewer de l'ombre et je resterai dans l'ombre. Tu peux. Mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal ce que tu viens de faire du coup? Dès l'instant où t'écris, est-ce que tu restes un viewer de l'ombre? C'est quoi le nombre d'interactions autorisées avant de plus être un viewer de l'ombre? Moi j'aurais tendance à dire une, mais après c'est vous qui voyez. Qui peut apprendre ça? Attends, mais c'est fort ou pas, bombacide? Google! Bombacide. C'est parce qu'on va jouer à... On va jouer à V-Rising, donc du coup je suis content. Voilà, donc Matt m'a DM Discord, il m'a dit « Salut DF, d'habitude t'es à vomir, je fais caca dans ton chat par ses propos, cordialement », il m'a dit. Il m'a écrit comme un RH, parce qu'il a écrit CDLMT. C'est 40 BP. Oh, AGRB, AGRB, AGRB. Non, c'est nul, c'est nul. Ah, pour vous, un viewer de l'ombre, c'est un message par stream max. En vrai, un message par stream, c'est beaucoup déjà, je trouve. Non? Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Merci, FF. Merci beaucoup. Ah, je trouve que c'est beaucoup. Hein. Ouais, après, parce qu'on est biaisé, parce qu'en fait, il y a des gens dans mon chat, tous les jours, ils écrivent 60 messages. Voire même souvent plus. Et continuez, hein, j'aime bien. Mais du coup, le rapport est un peu déséquilibré, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, par insecte! En fait, j'ai pas envie de lui mettre bout de feu, parce que sinon, je vais juste l'exploser, je vais me niquer mes HP, donc ne faisons pas ça. Il y a une vieweuse de la lumière. C'est, c'est vrai qu'il y a viewer de l'ombre, mais il n'y a pas d'opposé. Après, est-ce qu'on a envie de populariser l'expression viewer de la lumière? On n'est pas obligé. Ça existe un Pokémon normal psy? Oui, Messire peut-être? Ah oui, sûrement en fait. Monsieur Mime. Non. C'est pas vrai. Il est fait. Ah, oh, derrière, kill le noob! Oh, oh, il backseat mal. Oh, 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 oh. Devinez quel streamer j'ai imité là. C'est un peu technique. Ok, on va mettre ça. Meloetta, ah, peut-être. Koro. Putain, c'est vrai que c'était un peu Koro. Mickey. Bon, maintenant je vous le dis. Vous trouvez pas que Wax, des fois, il a un peu la voix de Mickey Mouse? Voilà, non mais c'est une petite observation que je me suis fait, je me permets de vous la donner. Faut être attentif, hein. C'est subtil mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais vas-y frère, je drop que des Pokémon malades, c'est quoi cette merde? Je l'aurais joué, hein, je vous jure. En vrai Gigalith c'est pas mal. Non vous trouvez pas? Je suis tout seul dans mon délire? Attendez. Je vais taper sur internet Wax Mickey, vous allez voir. Je suis sûr qu'on va trouver un clip. Et si vous voulez, j'ai un clip de Max Dan qui se vomit dessus aussi, très très drôle. Bon, nevermind, je trouve pas Wax Mickey, tant pis. On va faire sans. Qu'est-ce qu'on a donc? Clara. Hello Clara. Est-ce qu'on tape sur... on tape sol sur toi? Non, j'ai rien d'autre. Allez, on va pour Minotaupe. J'ai chaud de voir ça. Le Max Dan qui gerbe? Non mais je suis sûr que je peux le trouver, attendez. Mais c'est des démarches, hein. Max Hildan qui vomit, c'est vraiment des démarches, hein. Faut le retrouver. Oh, les dégâts, frère. Ah, mais je suis sous... Oh, mais oui, il y a le sable. Oh, 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 oh. Mais Minotaupe sous le sable, il est inarrêtable. Je le connais, le clip du vomi, il est tarpin drôle. Il est tarpin drôle, t'as dit. Si toi, t'es pas sous Ricard, là, c'est qu'un problème. On va rester, on va mettre tes boules dents, tiens. Boum. Il faut l'homme de rock aussi.
Trigger warning pour les hémétophobes. Bah ça fait... Je viens de dire, il va se gerber dessus. Si c'est pas un, si c'est pas un warning ça, qu'est-ce que c'est? Attendez. Est-ce que je tape Maxildan vomi, vraiment, je fais ça? Maxildan Raw peut-être? Kenny se fait virer d'Eclipse en direct. Bah alors? C'est bien référencé ce truc là. Et ça existe plus comme vidéo, ils l'ont enlevé. Maxildan vomit. Il vomit en live. Attendez, je suis capable de reconnaître la frame si je la vois dans la vidéo, attendez. Putain, je me suis fait bait, c'est pas la bonne. Bon, je vais sur Google, attendez. Mais je vais trouver, je suis parti en mission maintenant. Ils ont supprimé la vidéo, je suis sûr. Uniquement avec le... Avec ton quad. Attends, j'ai pas liké la vidéo, c'est peut-être un truc que j'ai fait. Attendez, faut que j'aille... Je vais la retrouver, je vous le jure. Non mais, je suis capable... de la retrouver. Le problème, c'est qu'en fait, dans mes vidéos likées, il y a que des vidéos de moi, parce que je m'adore. J'auto-like mes vidéos. Et j'ai bien raison. J'ai liké les belles histoires de pommes d'api. Qu'est-ce que je branle? Ça va pas bien, hein. J'ai liké des vidéos de Wingo. Putain, je suis un frère. Attendez. Y'a pas le stream. Y'a pas des vidéos... Ah mais je la trouverai pas, les gars. J'ai pas dû la liker, en fait. Putain, je la retrouverai jamais. Bon, si quelqu'un met la main dessus, c'est des gens qui ont envie de la trouver. Oui, c'est ça. Merguez, il connaît le vrai bail. Il y a Skyhard sur son tel pendant toute la session. Et genre, il comprend pas ce qui se passe. Et c'est magnifique. C'est ça. Oh, encore. Ça accentue le côté gaulerie de la scène. Non, mais c'est vraiment un banger. Mensonge et trahison. Oui, c'est ça. Mais attends, je vais la retrouver, je vous jure. Vous savez tout ce que c'est. Je vais trouver, je vous jure, j'en ai rien à foutre. Ah, c'est peut-être ça? J'ai trouvé! Ah. C'est imminent! Imminent, c'est! Attendez! Est-ce que quelqu'un a mis le timecode dans la vidéo? Dans les commentaires? Oui! Oui! Nous vous écoutons. C'est quoi ta question, mon chou? Non mais c'est un drag queen. Encore une fois, on parle ici de vol. Mm-hmm. Vous êtes habilleuse de la chanteuse. Les soupçons se portent sur vous. Et si vous voulez galerie encore plus, regardez Skyhard. La même séquence, mais avec Skyhard. Regardez bien. Vous êtes habilleuse de la chanteuse. Les soupçons se portent sur vous. Oh. Oh. Dégueulasse. On coupe. Regardez Skyhard. Excusez-moi, c'est mon cancer. C'est coupé. T'es en mort. Max. Petit mouchoir. Je sais, merci. T'es rentré un personnage, quoi. Ouais, c'est dur, je suis rentré dans... Oh, il était... Le regard de Sky perdu. C'est vraiment... Honnêtement, ça ajoute du sel. Ça ajoute du sel à la séquence. Mais pour tout vous dire,
J'avais hésité et je l'ai pas fait parce que j'ai eu la flemme, je pense. Vous savez, des fois on faisait des soirées d'horreur et je mettais des bruits. Tu sais, quand tu faisais un resub, ça mettait un bruit qui faisait un screamer, tu vois. Je vous jure que j'ai hésité à mettre ce bruit. Mais je me suis dit, non, je me souviens. Je me suis dit, personne va comprendre, ça vaut pas le coup. J'aurais dû le faire. Je regrette un peu, j'aurais dû le faire, je vous jure. J'aurais dû le faire. C'est vraiment le son et c'est genre. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Le truc sature parfaitement, c'est vraiment. Je crois que c'est le clip of all time. Hein. Franchement, bon, pas pour les bonnes raisons du coup, parce que bon, j'avoue que j'en suis un peu moqueur hein, naturellement, mais putain, qu'est-ce que c'est marrant quoi. Il a fait quoi ? Rebond, je crois ? Merde. Pas switch. Ah, mais ouais, c'est trop drôle. C'est tellement drôle. Et quand la soirée horreur avec Yuna ? Ouais, faut qu'on fasse. Nous ferons. En vrai, je suis chaud. Donc, on va faire ça. Le clip du tir de Billy Chou. Ah, Billy Chou, quand elle rigole et que ça part en alarme pendant 20 minutes, des fois, ça régale aussi. Hein. Ça, j'avoue que ça peut mettre bien. Terre Sauvage. Ah, mais ils ont commencé à le traduire. Ah, mais attends, mais c'est quoi Terre Sauvage? C'est les Wastelands? C'est avec les dragons, hein? En vrai, un dragon à la place d'un Léviator, c'est peut-être pas mal. C'est sur le web pour Pokérogue? Ouais. Minotaupe contre eux, Minotaupe. Terre, désolé les dragons. Ouais, mais du coup, je me dis, est-ce que ça ressemble pas un peu à ça, la trad ? T'as pas l'air convaincu. Allez, va pour Minotaupe. Prends l'XP, mon grand. Oh, pas Shiraja. En vrai. Un petit pas Shiraja, là ? Non, il est mort. Le clip du Quick où tu exploses de rire avec le Coca. Non, mais. C'est trop marrant. Parce que le mec, en plus, dans la vidéo, c'est Ichizu. Et. Il est venu déjà faire le restaurateur, alors que bon, évidemment, ça se voit, hein, il sait pas ce qu'il fait, c'est magnifique. Et le moment où il sert le coca, et il rigole, et sa main, elle tremble. Je crois qu'en plus, il y a un gros plan sur sa main pendant le moment aussi. Tu vois, sa main qui tremble pendant qu'il sert le truc, parce qu'il rigole. Ah, c'est trop. Ça, c'est vrai. Ça, pour moi, c'est vraiment genre... Dans la tier list, des trucs qui me font marrer, c'est très 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 haut. On veut voir ce clip. Vous avez jamais vu ça? Attendez. Je vais vous le mettre. Attendez. Le Data Quick. Non, c'est ça. Putain, la vidéo. La vidéo de con. Bon, on n'a pas trop avancé Pokérock, je suis désolé, mais en même temps... Oh, mais c'est super joli, en vrai. C'était propre, on avait fait un vrai truc, c'était joli. Ouais, c'est sympa ici, hein. Ok, non mais ça, t'as pas fait les choses à moitié. Hein. En vrai, tu ramènes ta meuf là. Pas mal, non? Pour moi, j'ai ramené JD et... Merci, monsieur. Bah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Ah, une belle table bien réservée juste pour nous deux. Ah, ça va, tu t'es pas foutu de ma gueule. Non, je t'ai promis, c'est un cadeau. Ah, j'ai régalé, hein. Attends, parce que du coup, c'est... Oh, c'est là, ouais. Oh putain, ça zoom en plus. Et boire un délicieux mec. En fait, non. En fait, je sais ce qui me fait rire. En fait, je me souviens ce qui me fait rire. En fait, ce qui me fait vraiment rire, c'est qu'il le prend par terre. C'est ça qui me fait rire de base. C'est qu'il ramasse par terre... Un instant. Est-ce que vous voudriez boire un délicieux mec? Ouais. Non, mais oui. Un millésime 1964. 1964, carrément. Exactement. Excusez-moi, vous l'avez pris par terre? Le fait que sa main... Le fait que sa main tremble parce qu'il rigole. Pour moi, ça, honnêtement, Comedy Gold. Ah putain, Comedy Gold. En témoigne mon visage. Mais c'est ce jour-là où j'ai compris que Mister Gilet, c'est un vrai acteur. Genre, vraiment.
Il est vraiment comédien, ce chien. Il est bouchonné. C'est une chose importante. Attendez. Parce que là, on est deux connards en fou rire. Moi, je suis en larmes. Hein. À ce moment-là, genre, je suis en larmes de rire. Non, il est pas bouchonné, mais vous êtes sûr qu'il est 64? 64. 64. Peut-être début 65. Ouais, plutôt, ouais. Peut-être. Peut-être même 66. Peut-être. Ouais. Non, parce que clairement, la récolte de 64, elle ressemble pas à ça. Je vois que vous êtes un fin connaisseur. Donc oui. Je vais vous présenter le plat. Donc le plat sera des délicieux Giant sur leur lit de patates frites, accompagné de merveilleux chicken dips. Ah putain, il y a tout. Non mais moi honnêtement pour moi, hein, c'est le plus grand stream de l'histoire. Non mais je dois le dire parce que c'est le plus grand stream de l'histoire. C'est vraiment. C'est 1h20 d'improvisation. Les seules blagues prévues, c'est celle avec les trucs dans la bouffe. Mais bon, si vous avez pas vu, je vous spoil pas, vous verrez. C'est les seules vannes qu'on a prévues. Le reste, c'est 1h20 où juste on parle et on essaie de faire que du RP horrible. Enfin, c'est vraiment vraiment random, mais c'est tellement drôle. Attends, mais il est l'heure, là, faut game. Bon, Pokérog, bisous. Pokérog, bisous. La session était fortement courte, mais on a bien rigolé. Faut jouer à V-Rising, là. Faut jouer à V-Rising, c'est maintenant. It's now. Putain, je change mon titre de stream.